Bonjour et bienvenue sur le GK Goûté. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble Warhammer 40 000, Gladius Relic of War, développé par le studio Proxy Studio et édité par Slytherin LTD. Alors, ce jeu est sorti, si je ne m'abuse, aujourd'hui ou hier, à savoir quand la vidéo va sortir. C'est un jeu de stratégie dans l'univers de Warhammer 40 000. Alors, il faut savoir qu'on est dans un délire à la civilisation, si vous connaissez, où on va avoir une base, on va construire tout autour différents bâtiments, infanterie, technologique, tout ça. Et derrière, on aura des infanteries, on aura des unités qui nous permettront de nous balader dans différents coins de la map pour rencontrer différents adversaires qu'on devra tuer. Dans Civilization, on a la chance de pouvoir avoir de la technologie, enfin on peut gagner avec de la technologie, on peut gagner par la politique, on peut gagner grâce à des merveilles, ou alors en gagnant grâce à la guerre. Sauf qu'ici, comme on est dans l'univers de Warhammer 40 000, et que si vous connaissez un minimum le fleuve, vous savez que les différentes nations se foutent sur la gueule. Du coup, ici, il n'y a pas tout ceci, vous devez juste vous battre et gagner. Point barre. Donc on va faire une nouvelle partie pour découvrir le jeu ensemble. Je vous montrerai peut-être plus tard une partie un peu plus avancée. Alors il faut savoir que malheureusement il y a très peu d'unités à l'heure actuelle. Nous avons l'Astra Militarum, nous avons les Nécrons, les Orcs et les Space Marines. On va ici prendre les Nécrons. Il faut savoir qu'ils ont chacun leurs difficultés au niveau de jouer. L'Astra Militarum est les plus durs. Les Space Marines et les Nécrons c'est les plus simples et les Orcs c'est moyen. On peut jouer contre 6 IA, donc là j'ai juste mis 1, 2, 3, 4, 5 IA, parce qu'en fait on peut choisir par rapport à la taille. On peut jouer sur une minuscule map, sur une grande ou une immense, mais immense c'est 8 joueurs. On pourrait même juste jouer à 4, vu qu'il y a très peu de... Ouais, on va jouer à 4, et ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre une équipe avec nous, voilà. Voilà, et eux ils se foutront sur la gueule, mais ça ne changera rien parce que de toute façon on n'a pas le but de finir une première fois, on va juste découvrir ensemble. On peut changer pas mal de choses, les textures, tout ça. Il y a des DLC qui arriveront certainement, je sais pas s'ils seront gratuits ou voilà, mais pour l'instant à l'heure actuelle c'est vrai que ça fait assez fade, assez pauvre comme contenu, surtout au niveau des nations. Alors quand on sait que Warhammer 40 000, il y a énormément de races, tout ça, donc les démons, tout ça, et là ils sont pas représentés, ce qui est un petit peu dommage. Il faut se contenter du strict minimum, mais bon, on va découvrir ça ensemble. Alors, donc je disais que votre but ici c'est de tuer, et effectivement c'est, il y a que comme ça qu'on peut gagner, enfin en tout cas de ce que j'ai compris pour l'instant sur ma partie, il y a que comme ça. On peut pas faire de pacte hormis là au lancement de la game en choisissant une équipe. On peut pas choisir pendant la bataille vous dire tiens, j'ai envie de m'allier avec les Nécrons par exemple vite fait. Non. Alors voilà la petite histoire, je vous laisse Ça c'est pour les Nécrons bien sûr, c'est pas... Mais là par exemple les images que vous voyez là, vous avez plus ou moins les mêmes avec les Space Marines, ou voilà. One that tore the planet apart and trapped us here. This is a rude awakening, but this planet shall learn to fear the Necrons again. Donc voilà pour l'histoire en gros. Toutes les races que vous avez vues, qu'on a vues là, vont tomber sur une planète et vont se battre pour en prendre le contrôle. En gros, c'est un petit peu ça pour résumer. Donc, nous voilà sur la map. Alors, tout se joue quasiment à 99% à la souris. Mais bien sûr, le clavier, vous pouvez toujours mapper les touches, je pense, pour avoir des raccourcis. Mais sinon, tout est fait à la souris. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Donc, voilà la map. Voilà, alors là c'est une version grande, mais il y a une version immense qui est un peu plus grande, vous voyez, c'est assez vaste quand même. Bien sûr la particularité de l'IA c'est que le brouillard de guerre, ils en ont rien à foutre. Ils vous voient à travers alors que nous on voit que dalle. Donc ils peuvent être très bien à côté, par-ci, par-là. Donc on a pour but d'aller les chercher. On peut zoomer, vous voyez, graphiquement le jeu est pas très moche, hein, et pas magnifique non plus, c'est...
C'est du Warhammer. En fait, tous les jeux Warhammer qui sortent, surtout au univers 40 000, ont souvent un niveau assez stack, ça veut dire des graphismes bien. Voilà, sans plus, ils essaient pas de révolutionner le truc, ils font des beaux graphismes, ça passe, voilà, il y a de belles textures, voilà. Donc, quand je disais civilisation, c'est que forcément, dans civilisation, les unités sont assez géantes par rapport au reste du monde, vous voyez, par exemple, les arbres sont tout petits, eux, ils font 4 mètres de haut, alors que non, ils devraient faire plus ou moins la même taille, enfin, suivant les unités, être plus petit qu'un arbre, mais pas non plus être aussi gigantesque. Alors, astuce, colonisation de Necron. Les Canoptech Spider permettent de bâtir une cité qui formeront l'épice dorsale de votre dynastie sur Gladius. Pour fonder votre cité, cliquez sur le bouton nanana. Voilà. Parce qu'il faut savoir que chaque race ne construise pas leur bâtiment de la même manière. Et il faut savoir que eux, ils ont besoin de cette créature pour pouvoir construire une ville. Pour l'Astra Militarum, c'est la même chose, ils ont une unité spécifique, alors que les Space Marines, ça vient depuis l'espace, parce que c'est beaucoup plus classe. Donc là, on va construire, voilà, donc hop, et on va aller là-bas, et on va construire là-bas. Non, attends, tu veux pas construire? Ah, tu pouvais pas construire ici? Ah, tu pouvais que construire que là-bas? Tu sers à rien. Bon, bah, je me suis fait niquer un tour, voilà, en plus, mais bravo. Alors, il faut savoir que dans l'univers, enfin, sur cette planète, il y a des zones comme ça avec du gris tout autour comme contour. En fait, c'est des zones spécifiques qui permettent d'avoir différents bonus. Par exemple, si je capture ceci, j'aurai plus 20% en énergie. Voilà, donc avant-poste, hop, donc on va le débloquer. Voilà, donc ça crée des petits drapeaux pour nous dire que c'est à nous. Je peux laisser une unité ici pour la garder ou je peux décider de me barrer. Si je décide de me barrer et qu'une unité vient la capturer, ben du coup je perds le bonus, etc. Donc c'est important de capturer ces zones, sachant que certains lieux un peu spécifiques peuvent cacher des objets pour nos héros, parce qu'on pourra débloquer nos héros. Donc bref, on va envoyer notre seconde unité de Necron. Alors, je vous ai pas montré, mais voilà, chaque unité a ses spécificités. Donc, bah, par exemple, ici, il a 6 en blindage, donc il va résister à certains tirs. Il a 15 points de vie au total, donc plus vous allez perdre de points de vie, plus les personnages vont disparaître. Vous pouvez les récupérer en vous healant, mais en tenant la position. Or, si vous vous faites attaquer, vous allez annuler cette position de heal, etc. Nous avons le moral, bien entendu, qui est important, parce que si on passe en dessous de 66% en moral, les unités deviennent secouées, ce qui diminuera leur précision de 25%, en dessous de 33% le moral, etc. etc. C'est un petit peu comme sur le jeu de plateau de Warhammer, même si ici, vous ne perdez pas une unité, si vous chiez votre lancer de dés pour le test de moral, là c'est simplement que vous perdrez en précision, ce qui est totalement logique, ce qui est plutôt acceptable et agréable. Du coup, on a terminé, parce que comme c'est du jeu au tour par tour, vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous pouvez faire. Et on joue avec les orques, donc voilà, très sympa, qui viennent de construire leur premier bâtiment. Alors eux, ils commencent avec 1, 2, 3 unités d'infanterie. Les Space Marines, c'est 2, et nous on en a que 2 aussi, donc voilà. Du coup, Kikette, s'il te plaît, viens construire. Parce qu'il fallait que tu sois là spécifiquement. Voilà, donc on vient de construire. Donc ceci est à nous. Et comme vous pouvez constater, merci de double-cliquer s'il te plaît, voilà. Donc il faut savoir que dans ce jeu, un petit peu à la manière de civilisation, on peut construire tout autour de soi. Sauf qu'ici, on peut pas juste dire, tiens, je construis ce bâtiment et je le mets là. Non, il faut acheter les terrains, enfin acheter les terrains entre guillemets. Donc là par exemple, ce terrain me rapporterait plus 10% et plus 10% en énergie, plus 10%. Alors ici c'est, comment ça s'appelle, du minerai utilisé pour nourrir la population, parce que toutes les populations doivent se nourrir. Ici c'est du minerai, pour l'Astra Militarum c'est de la bouffe, voilà. Et du coup il faut que j'achète les terrains. Donc ici il a l'air, ah oui, il est très pété ce terrain, donc on va l'acheter, voilà. Et ça va me prendre 2 tours pour le débloquer, plus un prochain tour pour y placer quelque chose. Voilà. C'est la spécificité, c'est un petit peu chiant. Parce que là par exemple, je veux construire la carrière, mais je peux pas parce que je n'ai pas de terrain encore. Voilà, donc je suis obligé d'attendre. Donc on va essayer de débloquer un autre terrain pour plus tard. Donc on va prendre celui-là en attendant. Voilà, donc ça va me prendre 4 tours au total pour avoir les deux terrains. Sachez que ça se fait au fur et à mesure. Ça veut dire qu'une fois que ça va être terminé, ça va débloquer celui-là. Ça me coûte en ressources, bien entendu, en énergie, etc. Donc il y a à prendre en compte tout ce qu'il y a ici. Nous avons l'influence, qui est très très important.
Nous avons le taux de recherche, nous avons l'énergie et la bouffe. Et je crois que d'ailleurs ils en ont que 4 alors que normalement c'est 5. Je sais pas si on débloquera peut-être plus tard. Donc les unités, hop, ils vont partir ici. Voilà, et ils vont débloquer. Ah voilà, et donc ils ont débloqué quelque chose d'intéressant. Un objet non réclamé, voile volcanique qui me donnerait plus 25% de réduction de dégâts. Sauf qu'en fait, ici, c'est que pour les héros. Vous allez trouver des objets par hasard, comme ça, et ça sera à placer sur les héros. On ne peut pas les placer sur l'infanterie. D'ailleurs, à noter que les infanteries voilà, ont aussi un nombre de mouvements, un nombre d'actions. Ça veut dire qu'eux, ils peuvent tirer, par exemple, ils n'ont qu'une action. Voilà, une fois qu'ils ont fait, par exemple, ils ont tiré ou lancé des grenades, ils ne pourront plus rien faire, alors que certaines unités pourront faire plus... d'une action. Donc le mouvement, alors le mouvement va dépendre du terrain. Par exemple, si je suis proche d'une forêt et que je veux me déplacer dans la forêt, je vais pas pouvoir me déplacer genre à 10 km. Non, je pourrais faire peut-être qu'un pas ou deux. A noter qu'aussi, comme sur le jeu de plateau, il y a des unités qui ont des armes lourdes, et si par exemple ils viennent à se déplacer et qu'ils veulent tirer derrière, ils auront un malus. À prendre en compte aussi, c'est important. Voilà, et chaque... Bien sûr, unités, comme tout jeu de stratégie en général, prennent des levels et plus ils sont level up, plus ils sont pétés. Qu'est-ce que c'est ça? Protocole de réanimation. Régénère des points de vie à chaque tour. Ça, c'est la spécificité des nécrons. Mais sachez que chaque race, en fait, peuvent utiliser cette capacité de tenir la position, comme j'ai expliqué. Et ils vont se soigner et du coup, vont récupérer des unités. Sauf que les nécrons, eux, ils ont l'avantage de voilà. L'avant-poste accorde une réduction de dégâts et augmente le rythme de la guérison. Accorde une réduction des dégâts à distance pour les unités d'infanterie. Donc, rester dans une zone comme ça est plutôt pratique. Du coup, eux, ils vont continuer à voyager un petit peu pour trouver d'autres zones comme ça. Puisque celle-ci est proche de la base et c'est parfait. On en a une ici. Donc, au prochain tour, ils iront parce que, voilà, ils ont niqué leur seul tour possible. Maintenant, donc voici l'arbre de compétences de recherche que toutes les unités, enfin toutes les races ont. Et toutes ont un level, donc level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'au level 10. Forcément, plus vous irez loin, plus celles-ci vont être coûteuses et vont mettre énormément de temps. Mais forcément, derrière, on aura des pouvoirs de péter. Augmente la réduction des dégâts des unités dans les cités. Enlève le temps de rechargement des réparations nécrodermie. Donc ça veut dire qu'il se réparera automatiquement de suite. Enfin, c'est pété. Mais bon, nous, on va commencer au level 1. S'il te plaît, je m'erre. Alors, coordination accorde aux unités d'infanterie la capacité de se téléporter dans les cités et les monolithes. C'est pété. Esclave fiable augmente la production de minerais et des carrières. Ça peut être très bien. Pyramide royale, bâtiment qui produit des héros ainsi que de l'influence et augmente la loyauté. Raffinement du cœur augmente la production des cœurs d'invocation. Temple d'Inosvie, bâtiment qui produit des véhicules terrestres. On va plutôt prendre la pyramide royale. Hop. Alors en général les logos changent pas vraiment, par exemple pour la pyramide royale, pour n'importe quelle autre race, ça sera la même chose. Si vous voulez débloquer des héros, ça sera un logo similaire. Bon bref, donc voilà, hop, et du coup il me faut 4 tours avant de pouvoir débloquer une nouvelle, enfin lancer une nouvelle recherche. Donc pour l'instant je suis en mode attente. Éléments explorés, ruines de vault, éléments découverts, camp de marchands, ok, et fin du tour. Donc au début, c'est un peu mou. Il y a une part de frustration, il faut faire les bons choix, ça peut être coûteux. Là, on est en mode facile sur l'IA. Sachez que si j'ai pas décidé de mettre en mode difficile là pour le premier truc, c'est normal. Parce que l'IA, comme dans tout jeu de stratégie, est attirée par vous comme un pot de miel. C'est-à-dire que eux, c'est Winnie l'ourson, ils veulent vous fourrer pour récupérer le miel. Et moi, j'aime pas ça. Bien sûr, chaque race a leur propre quête. Et du coup, voilà, nous avons le début de la première quête. Alors là, elle est en anglaise, mais normalement, c'est traduit en français. Sauf que celle-ci, apparemment, pour les nécrons, ont décidé d'être en anglais. Me demandez pas pourquoi, bah, c'est pas grave. Du coup, si je la réussis, il faut que je construise un cœur d'invocation, produire un guerrier, invoquer soulèvement rapide sur la production des guerriers, et je gagnerai 50 d'énergie en plus. Voilà, donc il y aura des quêtes que vous n'êtes pas obligé de faire. Mais voilà, c'est plutôt important de les faire, parce que ça permet d'avoir... Eh bien d'avoir des ressources bonus, hop. Voilà, donc ici, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est? Réparation de nécromédermie, pas de cible validée, parce que de toute façon, je n'ai pas perdu d'unité. Donc eux vont continuer à viser. Alors vous voyez ici, ces plantes, alors je ne sais pas sur les nécrons si ça fait quelque chose, mais je sais que sur les Space Marines, voilà, si vous laissez vos unités dedans, elles meurent. Parce que c'est pas bien. Donc du coup, on va pas aller dedans, parce que je ne sais pas pour les nécrons. Et on voit des ennemis ici, qui ne sont pas à ma portée. Donc pour l'instant, ils vont attendre. Soit.
On en est où au niveau des constructions? Donc dans un tour, on aura déjà une case de déverrouillée, et après, dans deux tours de plus, nous aurons une deuxième case. C'est un petit peu... Pour moi, c'est la deuxième partie de frustration, je trouve, de devoir acheter les cases, de prendre du temps là-dessus, et après de pouvoir commencer à construire. C'est un peu mou du genou. Mais bon, c'est voilà, c'est un moyen qu'ils ont trouvé. Pourquoi pas? Voilà, fin du tour. N'oubliez pas de faire fin du tour, sinon vous êtes en attente comme un couillon que les trucs bougent. Les orques avancent, récupèrent des trucs. Vous voyez la map. La map est grande. Graphiquement, c'est pas dégueulasse. Franchement, il y a de belles textures. Mais voilà, c'est pas folichon non plus. Après, faut être honnête. C'est un jeu de niche. C'est ceux, déjà d'une, pour ceux qui sont ultra fans de Warhammer 40 000, du fluff, de l'univers. Vous retrouvez toutes les unités, les Space Marines, j'ai les chars, j'ai eu Dreadnought. Très intéressant. Vraiment très fun de voir toutes ces unités. Maintenant, c'est vrai que le jeu a ses limites. Pour moi, le plus gros bémol étant la musique, qui est assez redondante. Je vous conseille de jouer avec vos propres musiques. Puis même les maps, voilà, c'est toujours plus ou moins le délire. Je crois qu'il n'y a qu'une map. Après, c'est juste la taille. Il n'y a que 4 nations, si vous voulez. Pour l'instant, le jeu est très limité. Et quand tu vois qu'il coûte à peu près 40 euros, je ne vous conseille pas forcément de l'acheter à moins de 10 euros. Je trouve que à 10 euros, c'est ça va, mais 40 euros, je trouve que. Eh ben. Ah, d'accord, tu voulais pas que je clique, je sais pas pourquoi. Bon bref, on va aller par là. Visitons. Les Nécrons continuent à visiter. On va avancer doucement mais sûrement. Donc là, il y a de l'eau, on s'en tape. Alors, ah oui, ça y est. Donc on vient de débloquer un carré. Donc voilà, une zone que je vais pouvoir utiliser pour... Putain, merci. Alors il faut savoir que cette zone, par exemple, vous voyez, il y a des arbres. À cause des arbres, je vais récolter moins de ressources. En fait, si vous voulez, c'est comme si j'avais un malus. Du coup, je peux décider de nettoyer la case. Voilà, celle-ci. Et du coup, j'aurai des meilleurs bonus. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Sachez juste que si vous détruisez ces arbres et que j'envoie... Voilà, les arbres ont leur importance parce que ça permet de camoufler, de gagner des bonus contre les unités si on est en combat. Donc voilà. N'oubliez pas qu'il y a de la population aussi. Hein, la population, donc utilisez... Utilisé pour faire fonctionner les bâtiments d'une cité. Chaque bâtiment activé nécessite un point de population pour fonctionner. Si la population requise dépasse la population actuelle, la production des bâtiments est réduite. Du coup, il faudra augmenter sa population. La croissance, donc on a le taux de croissance et tout. Les minerais, enfin... Le jeu est assez bien détaillé. Il est assez facile à prendre en main, à comprendre. Mais après, il peut avoir une certaine frustration. Du coup, je ne vais pas construire de suite. Construire stèle. Je vais construire mon... Voilà. Alors il faut savoir que chaque zone ici peut contenir 3 bâtiments au choix, 3 fois le même ou 3 différents, c'est tout. À prendre en compte aussi, c'est important parce que voilà, par exemple là j'ai plus 30% en énergie, construire ce bâtiment c'est bien, mais ça serait bien que je construise plutôt 2 centrales, enfin en gros 2 centrales d'énergie pour gagner le maximum de ce bonus. Mais bon, comme j'ai besoin d'avoir un bâtiment rapidement, je voudrais avoir les héros assez rapidement pour vous montrer. Levé rapide, accélère production en cours. Ah! Ça peut être sympa ça. Toutes les nations n'ont pas ce genre de bonus. Chaque nation a leur propre bonus et eux ils ont ça et c'est plutôt cool. Voilà. Donc on va continuer un petit peu jusqu'à débloquer au moins un bâtiment. Donc voilà. Il faut savoir que chaque unité a ce qu'on appelle une capacité passive qui est le tir de réaction. En gros, s'ils sont dans une... Oh putain, je viens de perdre un... Ok. S'ils attendent dans un coin et qu'une unité passe devant, ils tirent en premier, ça leur donne un avantage. C'est plutôt cool. Donc là, grâce à leur capacité, je viens de récupérer une unité, ce qui est plutôt cool, et du coup, je vais pouvoir les attaquer. Comme vous pouvez voir... Alors, merde, ça va être compliqué, mais voilà. Vous pouvez voir à gauche, Technoprêtre, voilà, donc c'est les ennemis. Et je peux voir la barre que je suis... que je peux leur enlever en dégâts. Du coup, perte 1 sur 3 estimée. Mais je peux faire maximum 3. Ça dépend. Alors je sais pas si c'est un GD ou ça dépend des caractéristiques. Mais bon, comme on est que level 1, donc du coup on va les attaquer. Donc là, on vient de tuer qu'une seule unité. Du coup, mais ils vont continuer. Ah. Oh. Ah. On va s'en prendre aux chiens. C'est les plus faibles. Alors, on vient faire un rage parce qu'ils sont assez résistants. Je sais pas si les Nécrons arrivent à les buter facilement. Donc on vient d'acheter un deuxième terrain. Parfait. Du coup, deuxième terrain. Et bien du coup on va pouvoir construire derrière une centrale
d'énergie. Et un truc de recherche ici. Ça sera pas mal. Donc on vient de dépenser pas mal de thunes. Donc, hop. Donc on voit que nos alliés font une belle expansion quand même. Alors eux, les unités comme ça, ça vient pas d'une race. Ils sont sur la planète en fait. Ils sont obligatoirement sur la planète et du coup peuvent nous attaquer quand ils le souhaitent. C'est en gros des ennemis bonus si vous voulez. Mais c'est pas eux qui nous intéressent, c'est eux par, c'est les ennemis voilà, comme eux. Ou voilà. Et ils font bobo hein, quand même. Hein, donc je crois qu'eux ils viennent de l'Astra Militarum. Oui, eux c'est l'Astra Militarum. Ah, les orques font bobo. Donc généralement les orques sont plus forts, enfin intellectuellement sont très faibles, mais ils sont très forts en groupe, font très très mal au corps à corps, ils sont assez robustes. Donc on vient de perdre, vous voyez là on vient de perdre notre bonus, du coup ce que je vais faire c'est que je vais envoyer les autres nécrons aller les chercher. Il nous reste 4 tours, ce qui est assez casse-couille, je vous cache pas. Après je pense qu'il y aura des réglages au fur et à mesure, donc on va s'attaquer à eux. A pas fait de gros dégâts malheureusement. Hop. Ah donc on va pouvoir lancer une deuxième recherche. Je fais ça. Voilà. De toute façon on n'a pas pour but d'aller le plus loin possible. Parce qu'après je vais vous montrer une partie un peu plus avancée quand même. Parce que là il se passe pas grand chose. Donc je vais laisser ce tour passer. Voilà les animations c'est toujours les mêmes. Hein. Il faut pas non plus demander grand chose. Mes nécrons se font encercler quelque chose de bien. Donc il nous reste 10 PV sur 15, 5 sur 5, sur 15. Heureusement qu'ils s'auto-réparent, mais ça sera pas suffisant. Oh putain, ils ont déjà... Ah, je voulais voir ce que c'était. Attends, il était où? Voilà, ils ont déjà des castellans robots. Alors je présume que c'est des unités un peu faibles, mais quand même ça paraît bizarre qu'ils ont déjà ça, enfin bon. Du coup mes amis, et en plus ils sont encerclés, bah, ça va être la bite. Et bien écoutez, ils vont tenter de résister du mieux qu'ils peuvent. Ouh, ils ont fait pas mal le ménage. Malheureusement mes collègues sont beaucoup trop loin. Ils vont tenter d'arriver mais ça sera trop tard. Et puis bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là sur cette partie. Donc je voulais juste vous montrer comment le jeu tourne rapidement. Voilà, les spécificités, il n'y a pas grand chose à retenir de plus. Je voulais juste vous montrer un héros, mais j'ai pas. Voilà, ça met un peu de temps à se débloquer. Ça fait déjà 20 minutes à peu près dans la vidéo. Tu te dis qu'il s'est pas passé grand chose. Vous avez quand même compris les règles. Du coup, on va passer dans la partie un peu plus avancée. On va quand même la sauvegarder parce qu'elle est en cours et ça me ferait chier de voilà. Donc on va quand même effacer toutes les sauvegardes save. Sauf celle-là bien sûr. Nouveau. On va l'appeler Nécro. Voilà, Nécro 1, ça sera bien. Hop, sauvegarder. Oui, après ça, enfin je vous ai pas montré tout le menu, mais voilà, par exemple, je clique ici, c'est la recherche. Vous avez déjà vu, ici c'est juste pour montrer la quête. C'est pas non plus. Voilà, c'était pas intéressant de tout vous montrer. Après tout le reste, vous avez tout vu. Ça va rendre. Finir votre tour. Ah oui, on peut le finir en cliquant juste ici, minimap. Enfin bon, bref, allez. On va charger la partie. J'espère qu'elle va se charger normalement. Parce que la dernière fois, ça avait un petit peu déconné. Ça arrive. Donc c'est une partie Space Marine que vous allez voir normalement si ça marche. Nous voilà arrivés sur ma partie Space Marine. Et comme vous pouvez constater, celle-ci est déjà bien avancée. Mon expansion est assez vénère, comme vous pouvez constater, alors qu'au début j'étais que ça, mais je me suis bien... Alors malheureusement la partie j'ai assez mal commencé parce que justement je connaissais pas le jeu et je me suis un peu fourvoyé en étant trop prétentieux. Et malheureusement en fait en allant ici, dans cette hauteur, des nécrons sont apparus et sont venus me défoncer ma race. Et d'ailleurs on peut constater qu'il y a une base par là, vous voyez. Ça, là c'est des murs qui me disent que les nécrons seront ici. Du coup je pourrais aller les chercher mais pour l'instant ce n'est pas mon objectif. Alors j'ai ici une quête à faire, je dois éliminer des ennemis. Et malheureusement il s'avère que je ne sais pas où ils sont parce que j'ai nettoyé la zone, voilà. Alors j'ai différents héros, voilà, j'ai ici notre cher capitaine, hein, le petit Capitchoun qui est pas mal pété. Donc ils ont différentes capacités les héros. Lui par exemple il a une capacité passive donc il fait une influence par expérience de 4. Il a une autre, si je perds de la vie je peux me heal beaucoup plus que le heal de base.
où j'ai une attaque ultra vénère au marteau. Derrière, donc j'ai débloqué ici un Vindicator, juste la classe, il est pété, il fait mal. En notre héros, j'ai un Librarian, magnifique, qui a le pouvoir de donner des malus, il peut voler, regardez, d'ailleurs, c'est juste magnifique ce mec. Ah non, merde, il a déjà joué, autant pour moi. J'ai bien sûr un Dreadnought, voilà, magnifique. Et normalement, j'ai un autre héros. Qui est là, voilà, notre cher Ishii, qui est un chapelain, ou un capelin, je sais pas comment vous le prononcez, qui lui donne différents bonus, hein, c'est sa spécificité. Et comme vous pouvez voir, ma base est plutôt bien développée. Donc, voilà, j'ai ici un Apocaryon qui me permet de construire les infanteries de base. Donc ici, je peux avoir des Space Marines tactiques, des Space Marines Devastator ou des Terminators, mais ils sont très onéreux. Pour l'instant, je n'ai absolument pas assez de ressources. Derrière, j'ai un arsenal pour tout ce qui est véhicule, donc je peux construire des motards éclaireurs ou des Dreadnought ou bien sûr des Vindicators. Après, donc ici, donc c'est ce que je vous disais, le logo, c'est plus ou moins le même. Donc ici, c'est mon temple, si vous voulez. Ah bah tiens, j'ai une promotion pour Warhammer Gladius Relic of Promo. J'avais lu moins 90% sur GOG, paraît un peu beaucoup. Bref, et donc je peux ici donc construire mes différents héros. Je peux en avoir qu'un de chaque. S'il meurt, je peux le refaire et garde son level, bien entendu, heureusement. Voilà, et après derrière on peut voir tout ce que me rapportent les machins. Du coup ici tout est déjà en construction. On va passer son tour parce que j'avais sauvegardé sur une fin de tour. Donc les autres joueurs sont en train de passer, enfin faire leur tour. Les Nécrons, ils m'ont vraiment pris la tête parce qu'en plus ils avaient un héros qui était level 4. Oula, le jeu qui rame un peu, bon, ça c'est normal, c'est parce que comme je suis en train de capturer, forcément, voilà. Donc ça c'est l'Astra Militarum. Comme vous pouvez voir, ils s'en prennent plein la gueule. J'ai eu une action d'opportunité, en plus on est dans la forêt. Alors il faut savoir que les Space Marines ont la particularité de pouvoir invoquer des bâtiments comme ceci, un peu partout où ils veulent. Et ceux-ci ont l'avantage de tenir une position, d'offrir des bonus et en plus de pouvoir attaquer. Malheureusement il s'avère que, voilà, comme j'ai dit, l'IA est attirée par le pot de miel que je suis et a tendance à attaquer tout constamment mes bâtiments. Et dont celui-ci qui a déjà pas beaucoup de points de vie et ça me fait chier parce que ça coûte assez cher à produire quand même ces merdes. Oui, c'est à moi, toutes les IA ont joué, bordel. Alors j'ai un peu diminué la qualité du brouillard, juste pour, voilà, pour qu'on voit encore mieux, pour que ça soit plus clair en fait, pour qu'on voit un peu mieux ce qu'il y a autour du brouillard, parce qu'on peut le rendre, voilà, on voit un peu mieux. Du coup, l'IA m'a un petit peu pété les couilles, mais vous voyez, je peux construire à nouveau, je peux déployer une forteresse, donc je peux la déployer un petit peu où je veux, mais je veux la déployer surtout dans une zone qui pourrait me rapporter plus 40... Ça peut être sympa là, plus 40, plus 20 et 10, 10, plus 10, il y en a déjà une ici, plus 20 et 10, c'est le jeu là mais tout ça, voilà, pas mal. Derrière on va quand même attaquer avec, voilà on va juste attaquer vite fait 2-3 unités puis on va s'arrêter là, on n'a pas fait beaucoup de dégâts. Tiens, montre-nous comment tu voles. Ah, Space Marine s'est pété. Attaque. Non. Ah, tu peux pas l'attaquer là. Non. Voilà. Très, le mec il reste 2 points de vie, sérieux. Bon, on va te défoncer. Avec le chapelain. Et voilà. Unité défoncée. Ah bah si, ben bah voilà, c'était cette salope d'unité qui s'est barrée au fond de la pampa pour pas que je la tue et finir ma quête. Donc j'ai fini ma quête. Du coup, une nouvelle qui me permet... Alors, il faut que j'aille sur la case en subbrillance avec le Librarian. Ok. Récompense, savoir interdit. Putain, il faut que t'ailles jusque là. Eh ben, c'est pas donné. Hein. Bon bah du coup, on va commencer à avancer mes différents... d'unités dans cette zone. Voilà. Tac, petit Dreadnought, tu vas te mettre ici. Après c'est, voilà, c'est quand même classe. Regardez, pardon, je reviens ici.
Le Dreadnought est quand même très très beau. Toi, tu vas te remettre ici. Tu vas protéger cette zone. Ah non, il faut qu'il aille aussi ici. Putain, il faut qu'il aille partout cet homme. Il peut plus rien faire pour l'instant. Lui, il peut plus rien faire. Eh bien écoutez, je pense qu'on va conclure là-dessus. C'était histoire de vous montrer. Voilà. C'était donc la découverte de Warhammer 40 000. Alors attendez, parce que le nom, il est à rallonge. Mes couilles Mickey. Warhammer 40 000 Gladius Relic of War. Un petit jeu sympatoche. Ça, c'est pas non plus ultra folichon. Faut être honnête. Hop. Écrasé. Voilà, on sauvegarde. Ah, oh, ça me chatouille le nez. Hop. On va revenir au menu principal. Honnêtement, pour ceux qui sont fans du fleuve de Warhammer, qui adorent les unités de Warhammer 40 000, qui adorent les Necrons, tout ça, vous allez passer un bon moment, sans plus non plus. Si vous êtes fan vraiment des jeux de stratégie, vous n'avez pas forcément trouvé votre compte, je trouve, parce que ça manque réellement de stratégie. Certes, il ne faut pas faire de conneries et tout, mais je veux dire, tu peux pas faire de pacte. Et puis, faut être honnête, pour l'instant, au niveau des factions, c'est quand même extrêmement limité. Hein, je veux dire, Astra Militarum, Necron Orc, Space Marine, 4. Je pense qu'il aurait fallu un peu plus. Maintenant, après, c'est cool. Il y a le fluff, il y a l'histoire. Voilà, comme je disais, voilà, défi initial, c'est facile. Alors que l'Astra Militarum, c'est extrêmement compliqué. Je trouve vraiment que le jeu manque cruellement de contenu. La musique est assez redondante. Hein, vraiment, je vous invite à avoir votre propre playlist parce que sinon, ça devient assez casse-couille. Les décors aussi. Bon, là, vous avez vu la map où on a commencé avec les Necrons. On était dans une terre un peu neigeuse là où on était. Mais on a l'impression que tout se ressemble quand même. Ça manque de peps. Pour moi, aujourd'hui, payer 40 balles sur un jeu comme ça, je sais que sur Steam, il a 40 euros. Mais là, j'ai vu qu'on avait une promo sur GOG. Alors je suis pas sponsor par GOG, hein, rien du tout, hein, mais voilà, du coup si GOG fait une petite promotion sympa, autant en profiter, je pense. Je vais vite fait vous la lire. GOG, un jeu gratuit avec Warhammer, Gladius, Relic of War, promo hebdo. Ah oui, voilà, si vous achetez Warhammer, Gladius, Relic of War, ah oui, vous l'achetez maintenant, mais vous recevrez Warhammer 40 000 Rite of War. Parce que là, c'est Relic of War, mais là, tu as Rite of War. Maintenant, je trouve que ça fait quand même toujours aussi cher, même si on t'offre un jeu gratuit. Là, par contre, l'offre GOG est pour moi la plus intéressante, même si Rite of War, de ce que je suis en train de constater... Ah ben, en fait, c'est à peu près le même jeu, mais Il n'y a pas la date. 26 juin, oui, mais c'est de quand? Parce que, au vu de la gueule, on est dans les années très très vieux PC. Hein. Je vous montrerai les images de toute façon. Voilà, parce que là je regarde sur mon portable, mais vous verrez les images. Parce que c'est plus ou moins le même jeu en plus moche. Du coup, on est un peu coiné. Donc, ouais, tu te dis qu'en plus le jeu il le vend à 1,29€. T'as une promo dessus, donc tu te dis, t'es vraiment sûr de vouloir payer presque 30. Enfin. Ouais, mais du coup, si tu payes 34€ ou 35€ à peu près, donc ce jeu-là que je suis en train de vous présenter, et vous avez l'autre gratuit, alors qu'en fait, il est 1,29€. Ouais, ça manque un petit peu de contenu. À voir l'avenir, de toute façon, il y aura des DLC, il y aura certainement de nouvelles factions à voir. Mais pour l'instant, au jour de sa sortie, ça ne vaut pas 40€. Absolument pas. Et bien voilà qui conclut ce petit goûter de Warhammer 40 000 Gladius. C'est noté. Relic of War du studio Proxy Studio et édité par Slytherin Ltd. Allez, je vous dis à plus pour toujours plus de découvertes. Et ciao.